Salut, j'espère que vous allez bien depuis le temps. C'est vrai que ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne. En tout cas, pour ceux qui me suivent sur mes autres réseaux, c'est-à-dire TikTok et Instagram, bon, vous avez vu que je suis un peu plus actif. En ce moment, je suis plus non plus 100% sur le dessin, car depuis quelques mois, vous le savez, on a acheté une maison avec mon compagnon. Et je suis donc pas mal sur le potager et également sur une nouvelle activité qui me prend pas mal de temps et que j'aime énormément, qui est donc la résine époxy. Donc rien de foufou, je fais uniquement donc des marque-pages en résine époxy et que je mets donc en vente sur ma boutique, mais donc pas Etsy, mais Vinted. Si éventuellement ça vous intéresse, je vous mettrai donc les liens en barre d'infos. Concernant ma boutique Etsy, donc ça fait déjà plusieurs mois que celle-ci est ouverte, mais elle n'a pas le succès ou ne serait-ce même la visibilité donc que j'aimerais. Faut dire aussi, c'est un peu de ma faute, je trouve que je suis pas forcément présente du coup sur YouTube pour en parler. Et il est vrai que je ne fais pas non plus sans arrêt de la pub pour ma boutique Etsy sur TikTok par exemple. Et je pense que c'est ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas forcément beaucoup de ventes. Et j'avoue que ça pèse quand même un petit peu sur le moral parce que ben, on aime ce qu'on crée, on crée pour espérer vivre de... pas forcément vivre, mais voilà, avoir une rente sur l'activité qu'on aime faire. Je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde aujourd'hui, c'est faire ce qu'il aime et gagner sa vie grâce à ça. Moi aujourd'hui, c'est l'art. En parallèle, comme je vous l'ai dit, donc j'ai mon petit potager, j'espère que ça nous fera beaucoup de bien, moi et mon compagnon. Et sinon, quoi dire de plus? Donc là, sur ce que vous êtes en train de voir actuellement, donc c'est un dessin que j'ai fait à l'aquarelle, donc le 23 après-midi. 23 avril après-midi, et j'ai voulu refaire ce dessin là mais sur tablette pour en faire soit une illustration soit un stickers, mais malheureusement je n'ai pas réussi à faire le même rendu donc de l'aquarelle sur la tablette. Donc vous verrez, j'ai décidé de partir sur une toute autre mise en couleur. En tout cas, celle-ci me plaît quand même énormément et j'espère que ce sera votre cas. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me soutenir. Ça fait toujours plaisir de voir que même si j'ai été absente pendant un certain temps, vous êtes toujours là pour me soutenir. Ça me ferait vraiment beaucoup de bien. Et puis bien sûr, si tu veux avoir un peu plus souvent de mes nouvelles et voir un petit peu plus souvent ce que je fais, ce que je propose, n'hésite pas à me suivre donc sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Sur ce, on arrive vers la fin de la vidéo. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.